Si les douleurs persistent malgré un traitement médical complet, et ça comprend l'infiltration, qui a le but de soulager et de diminuer les phénomènes inflammatoires, est toujours complété à la rééducation. L'un ne va pas sans l'autre. Hein, si on fait que la moitié du traitement, c'est logique qu'on n'ait que la moitié de soulagement. Donc, si ce traitement médical complet ne permet pas de soulager, à ce moment-là, effectivement, on proposera des interventions chirurgicales. Si c'est une tendinite pure, on peut faire ce qu'on appelle des nettoyages sous arthroscopie, c'est-à-dire qu'on va aller nettoyer tous les tissus inflammatoires. On va éventuellement raboter un petit peu l'acromion pour avoir un petit peu plus d'espace au-dessus des tendons de la coiffe des rotateurs pour avoir une meilleure mobilité, une meilleure utilisation de l'épaule. Et puis, si effectivement ces douleurs persistent dans le cadre d'une rupture de la coiffe des rotateurs, même si cette lésion est petite et qu'elle n'arrive pas à être soulagée par le traitement médical, à ce moment-là, on proposera la chirurgie pour pouvoir aller réparer ce tendon.